J'ai même pas commencé, on m'a signalé, pardon. J'aime pas comment ça m'a signalé. Je vais encore attendre, je sais pas. Maintenant, c'est bon. Hello, Kang. Hello, Kang, je me brûle. Maintenant, c'est bon. Allô? Ça fonctionne, ça. Allô? Allô? Je ne sais pas, maintenant je recommence. Je viens de recommencer. Regarde un peu, voir. Déjà, pap. Pardon, bipez-moi ça. Bipez-moi, spet. Bipez, qui là? Le vendeur, le poulailler. Le poulailler man. Bipez-le. Bipez celui qui fait le direct devant la télé. Non, non, non. Bipez celui qui fait le direct devant la télé. Vous m'entendez? Volume. Le volume est là. Le volume est là. Hein? Est-ce qu'on m'entend ici? Ouais, okay. Pardon, faut bipper celui qui fait le direct devant la télé. Pardon. Pardon, pardon ici là. Bippez-moi celui qui fait le direct devant la télé. Pardon. Faut bipper celui qui fait le direct devant la télé. Faut les bipper, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Hello, Kang? Je vais lire les commentaires. C'est quoi avec moi aujourd'hui? Eh Dieu. Voilà, je vois les commentaires. OK. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est un bon mercredi. Maman, il y a un soleil ici. Maman, la neige est en train de fondre. Là, c'est la slush. On a eu un coup dur aujourd'hui au Québec, je vous assure. Vous sortez le matin, la vie ne tient qu'à un bout de fil. Hein. Vous sortez le matin en tant que parent, vous allez déposer votre petit bout de chou à la crèche. Ici, on dit garderie. Hein. Là-bas, chez vous, c'est la crèche. Garderie, un peu partout là. Daycare, home daycare, crèche, garderie, maternelle. Peu importe, même au secondaire, n'importe où. Et après, vous apprenez qu'il y a un souci, qu'il y a eu, je sais pas moi, un accident ou quelque chose. Partagez le direct, s'il vous plaît. Dans votre bout de chou, donc un chauffeur, on ne sait pas. Parce que je préfère ne pas me prononcer. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un malaise? Est-ce que c'est un coup prémédité? Est-ce que c'est pas accident? Est-ce qu'il était dans un état, peut-être c'est un début de maladie de santé mentale? We don't know. Le gars atterrit dans une maison de garderie, dans une crèche, avec son autobus, l'autobus de la ville, le sautuc. La sautuc est entrée dans la crèche, l'autobus. Il y a eu deux enfants qui sont morts et je crois six blessés. On ne craint pas pour la vie des blessés, mais je vous assure qu'en tant que parent, même des enfants, même des jeunes enfants, même futurs parents, mon frère, c'est quelque chose. Tu vas au travail, on t'appelle, tu viens de déposer ton enfant, tu te tournes, tu es encore même sur l'autoroute. C'était le matin, 8h, je sais pas, 8h30, quelque chose comme ça. Tu es encore même sur la route, tu n'es même pas encore arrivé au travail. Tu viens de déposer l'enfant, maintenant tu es en train de rouler, tu es loin dans tes pensées. Ok, je dois faire ci, c'est mercredi, ce soir au souper, ça va être ça. Ok, arrivé au travail, c'est ceci. Des fois, tu penses à tellement de choses sur le chemin. L'enfant, l'autobus, un gros autobus de la ville. Et aller entrer dans la crèche. Je vais un peu chercher l'image.
très triste. Je suis rentrée du travail là, j'étais vraiment, j'étais pas bien. Vous comprenez? Attendez. Je vous dis là, c'est grave. Comme quoi, la fin du monde n'est pas loin. Je vous assure. Comme quoi, la fin du monde n'est pas loin. Attendez. Est-ce que j'ai le volume ici? On s'est élevé aujourd'hui avec cette. On est rentré du boulot aujourd'hui avec cette image. Cette image qui fait la manchette des nouvelles chez nous, là. Attendez, comment je fais? Malheureusement, aujourd'hui, c'est que nous avons 6 enfants blessés, 2 enfants qui ont perdu la vie, un homme de 51 ans qui a été arrêté, qui est toujours interrogé, qui sera interrogé, qui sera accusé d'homicide. Cet homme était un employé de la STL, la Société de transport de Laval. Donc, vers 8h30 ce matin, un autobus de la STL est entré en collision avec une garderie située aux 2 terrasses du Frein à Laval. Un homme de 51 ans, employé de la STL, a été arrêté pour conduite dangereuse et homicide. Il est toujours rencontré par nos enquêteurs. L'enquête est en cours et le mobile reste toujours inconnu. L'événement ce matin est une tragédie. Une vraie tragédie parce que quand tu déposes ton enfant à la crèche, là, tu t'attends à venir le rechercher le soir. Correct, là. Parce que tu sais que les personnes formées, qualifiées pour s'en occuper, vont en prendre soin durant la journée. Tu vas avec la tranquillité d'esprit. Mais ton auto, ta voiture n'est même pas encore arrivée au travail. Tu n'as même pas encore commencé ton quart de travail. Tu n'as même pas encore commencé ta journée. On n'appelle que revenez. La catastrophe. Les images font froid au dos. Dis mon Dieu. Quand toi tu arrives, tu te dis que ma pas d'enfant, tu vois un papa, il est en train de courir, on le calme, il est là, il est où? Il est en feu. Il veut seulement traverser pour entrer là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas des choses à souhaiter, même à son pire ennemi. Comme quoi la vie, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit que ça va prendre. C'est-à-dire que ça va nous prendre. Tu te lèves le matin, mais tu n'es même pas sûr que le soir, tu vas pouvoir te recoucher, avoir ta journée, quoi. Parce que ces deux enfants décédés, ces autres blessés et ceux qui sont rentrés chez eux auront le traumatisme de leur vie. Les parents, les familles auront peur. Tu sais, il y a les parents qui vont dire, pourquoi je dépose mon enfant dans une garderie? J'aime autant rester avec eux à la maison. Rester avec eux à la maison. Il y aura tellement de situations qui vont passer. Psychologiquement, les personnes vont être atteintes. Mentalement, je te dis, c'est quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est compliqué. C'est arrivé aujourd'hui à Laval. La société de transport de Laval. Un monsieur qui a atterri, comme on regardait souvent, comme on voit dans les films, hein, il atterrit directement dans une garderie. Et sûrement au moment de routine, parce que le matin à 8h, si je ne me trompe pas, c'est le moment où certains enfants, ils viennent d'arriver, ils font l'accueil, peut-être il y a la causerie, peut-être ils sont en train de prendre leur déjeuner, pour ceux qui déjeunent pas, peut-être ils sont en train de se déshabiller, ils sont en train de, l'autobus est arrivé, pim, dedans. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'avant d'arriver à cet endroit, il y a un petit rond-point. Je me suis dit, comment, tenez, j'ai réfléchi dans ma petite tête là, comment l'autobus a tourné dans le rond pour aller se retrouver jusqu'à dans la crèche. Il y avait même possibilité d'aller dans ce côté, il y a possibilité, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, on ne comprend rien. Alors, les autorités compétentes vont se charger de ça. Tout comme la situation de notre compatriote qui est décédé au Cameroun, j'ai reçu des vidéos très, très, très choquante, très pas même acceptable, parce qu'une dépouille comme ça, je dis toujours que la dépouille, c'est l'affaire de la famille, c'est-à-dire on dit laisser les morts enterrer leurs morts, mais une dépouille qui se retrouve partagée partout, partout dans les réseaux comme ça fait mal.
Et du jour au lendemain, ça peut être ton père, ton frère, ton oncle, ton collègue, n'importe quoi. Il se retrouve mort dans ces conditions et jeté dans une ruelle quelconque. Et puis les gens filment et ça fait le tour des réseaux sociaux. Moi, c'est des images choquantes pour moi. Et j'arrive pas à supporter. J'ai même dit à quelqu'un, ne m'envoie plus ça. Toujours des cas de figure qui nous font comprendre que nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit. Et comment même ça va se passer? Parce que justement, c'est un monsieur que, qu'on le veuille ou non, ses obsèques vont se passer d'une autre façon. Parce qu'un corps qu'on découvre, moi je crois qu'on l'a trouvé peut-être 2 ou 3 jours après, j'ai dit ce monsieur au Cameroun, monsieur Zogo, qu'on en parle, c'est ça? Martinez, quelque chose comme ça. Après combien de jours? Décomposé, pauvre famille. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils feront leur deuil. C'est pas facile. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vois qu'il n'y a pas de partage. Donc, ceci pour dire que quand nous nous couchons le soir, nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons dire merci à l'être suprême. Quand nous nous levons le matin, la même chose, parce que you never know. You never even know. C'est comme ça. La vie est vraiment. Ça tient qu'à un bout de fil. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit. Donc, vraiment, c'est triste. C'est très triste. Et on va laisser les autorités compétentes faire leur travail parce que là, par exemple, pour ce qui est de Laval, il y a l'enquête qui est lancée. Le monsieur, c'est sûr qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Il va y avoir toutes sortes je sais pas moi, en tout cas, pour solutionner et savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Paix à l'âme des victimes aussi. Oh, les parents, le jeune bébé, l'avenir, tout ça, en tout cas. Du jour au lendemain, dans quelles conditions ta personne s'en va, ça fait très mal. Moi, je dis, les spéculations et les bavardages, les ragots, de commencer à dire c'est ceci, c'est telle chose, ça s'est passé comme ça, ta, ta, ta. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas la véracité de ce que tu avances, tu fermes ton clapet. Les gens peuvent parler, ceux qui sont très forts, les très forts, là, les casousques, là, les gens costauds, là, ils peuvent parler, faire tout ce qu'ils veulent, mais toi, quand tu n'as pas la véracité, tu zippes ta bouche. Moi, c'est ce que je dis toujours. Si tu n'as pas d'argument, tu n'as pas d'éléments de preuve, parce que ne commence pas à parler quelque chose que de bon va venir te chercher, que viens répondre, tu avais dit que. Donc, c'est ça. Ça fait que même les journalistes, même les autorités, le maire de la police et tout de Laval, se prononcent à demi-mot, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments d'enquête. Sauf que tout ce qu'on sait, c'est que on a 2 cas de décès, 6 blessés, et des parents et des enfants qui sont. Et une communauté atteinte. Et c'est même dans toute l'étendue du territoire, parce que même à Toronto, partout. Parce que c'est quelque chose qui vient toujours te parler, quoi. Tout comme l'histoire de notre frère Zogo. Alors que la justice se fasse, que les autorités font leur travail. Et arrêtons les ragots, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se raconter autour de quelque chose. Comme les réseaux sociaux sont toujours un endroit où chacun est censé dire ce qu'il veut. Il veut, surtout dans ma communauté, parce que dans ma communauté, personnellement, ce monsieur qui est décédé, on a tout entendu. Tout, 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 tout. Même comment il est décédé là, tout, 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 tout. Tout est raconté. Même avant, il y a des gens qui disent déjà que c'était comme ça, patatata, trop de choses. Mais même à ça, faites attention. Avant de venir mettre votre grain de sel, faites attention. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Ceci pour aboutir à. Pour aboutir à la sagesse que nous devons commencer à avoir sur ces réseaux. C'est-à-dire que ne pas parler, aller vite en besogne, dire des choses pour dire, ne pas parler parce qu'on a une bouche et qu'on est capable d'articuler et tout. Ne pas parler pour parler. Ne pas prendre des faits sans avoir vérifié, n'est-ce pas, la véracité et venir s'asseoir et déclarer sur les réseaux. C'est très dangereux. C'est des choses qui peuvent vraiment t'incriminer demain. Il faut faire très attention. Quitte à ce que tu ne parles pas du tout. C'est mieux de se taire. Parce que si tu te tais et qu'on vient te dire, tu n'as rien dit, tu vas dire que tu étais pas au courant. C'est ta parole contre la loi. Il faut qu'il rentre dans ton subconscient, ou dans ta tête, il vienne sortir ça et mettre dehors. Tu dis que tu ne connaissais pas et tu restes tranquille. C'est comme ça, c'est mieux que d'argumenter. Parce que n'oubliez pas, il y a des personnes sur les réseaux qui aimeraient que quand certaines personnes parlent, qui mettent assez de vie, de jugeote et qui disent beaucoup de choses ou bien qui déclarent, il faut faire très attention. Moi, je dis toujours, tu n'as pas tous les éléments. Zippe ta bouche. Regarde.
Ce qui est sûr, il y a une justice divine même. Et, la, et puis, franchement, hein, moi, j'ai toujours, même dans les films policiers, les grands films, il n'y a pas de crime parfait. On finit toujours par savoir qui est coupable, qui a fait quoi. Même après combien d'années, on réussit toujours à sortir les coupables de ce genre de choses. Donc, vraiment, notre compatriote, paix à son âme, ses enfants, les deux enfants décédés, paix à leur âme, toutes les familles affectées de part et d'autre. Des personnes déprimées, des personnes qui ont vraiment. Qui, cette histoire va abîmer leur santé psychologique. Des personnes qui auront une phobie, une peur de continuer à aller dans les crèches et tout. Franchement, que les organismes, que vous pouvez trouver le soutien nécessaire pour reprendre goût à cette vie, quoi. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Ceci pour conclure, pour continuer en disant que j'aurais besoin ici de notre consoeur Gospute, justement, parce qu'elle, elle a une manie de s'asseoir et déclarer les choses sur des situations passées dont elle n'a même pas aucune bon sens d'idée. Elle n'a aucune idée de ça. Mais elle déclare. Franchement, moi, je vais parler ici du décès de notre consoeur qui est parti d'une façon très, très rapide, tragique, c'est-à-dire qu'une mort dans son sommeil et tout. Et qui a eu vraiment des obsèques dignes de ce nom. Franchement, waouh! Moi, je donne chapeau, je donne un coup de chapeau à la communauté. Du 237 là-bas à Paris, n'est-ce pas? Prési, Amot, je vais te donner un très grand coup de chapeau avec le monsieur en cheveux blancs, là. Ensuite, t'as donné son nom. Le monsieur là qui est le comité d'organisation des obsèques de Céline, là. Je vous donne un coup de chapeau. Il y avait des restaurateurs, des promoteurs événementiels, comment dire, les membres des réunions, toute la communauté, c'est-à-dire que les pays voisins, amis, tout ça, ça veut dire que tout le monde qui est sorti, monde d'un commun accord pour accompagner Céline, waouh, 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 chapeau haut. J'ai la chair de poule, hein. J'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Le départ sur terre devait être comme ça, c'est tout simplement magnifique. C'est-à-dire qu'on te célèbre dans une salle majestueuse, tu as l'honneur, mais allô, quoi, c'était très beau. Franchement, que Dieu regarde la quantité de personnes qui se sont mobilisées et qu'il essaye d'aider ses filles, ses enfants, sa famille à sécher les larmes. Parce que ça va être vraiment le parcours de combattant une fois que toutes les cérémonies vont passer. Parce que c'est là où vous serez seul face à votre vie sans votre maman, sans votre soeur, sans votre épouse, sans votre collègue, sans votre partenaire, whatever. Donc vraiment, que le bon Dieu veille, quoi, qu'il vous aide. Alors, je bipe un gospel parce que elle a fait des déclarations et vraiment où elle indexait Prési Amot et elle disait combien tu as cotisé. Que Prési Amot a dit qu'il a payé les musiciens, il n'a pas payé. Combien Prési Amot a cotisé? Oh les musiciens, oh ceci, cela, il fait trop de bruit. Prési Amot, tu te prends pour qui? Oh ma chérie, montée et descendue. Vraiment, gosse pute, ce que je vais te dire, c'est quoi? Si on te donne la liste, ma soeur, si on te donne la liste des cotisants de Paris, c'est-à-dire que les associations, tous les gens, tu vas être capable de lire combien de noms dedans, maman. Mon bête, nous, 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 tiens, tu ronchons. Le président Amota dit qu'il s'est occupé, c'est pas lui, c'est tel, c'est ceci, c'est cela. Personne ne veut ça dit s'arracher la palme d'or de qui a fait quoi au deuil de Céline. S'il n'y a pas un trophée qu'on tire pour ça, chacun y était, chacun a mis son grain de sel comme il a pu. Même s'il n'a pas cotisé, le temps qu'il a donné, tu étais. Et même s'il cotise, toi, ta part de cotisation, c'est combien? Et si on te donne la liste, ça, on est capable de changer, on peut tu cotiser, maman. Si on te donne la liste des cotisants, gospet, vous faites la liste de cotisants, moi, vous êtes capable de changer. Hein? Vous êtes capable, hein?
Abukapabie. Voilà. Moi, capable de chenille, c'est ça que je te demande. Si on te donne vraiment la liste, c'est-à-dire que les enfants ou la famille sortent, c'est-à-dire ils sortent la liste des cotisants, des gens qui ont cotisé. C'est-à-dire qu'on a cotisé 20 000 euros, on a cotisé comme si ta part dedans était combien. Puis comme tu pars, t'es comme ça pour voir si tu peux pas t'accrocher quand on te dépanne un petit 100 euros. On te connaît déjà, hein? On sait comment tu fonctionnes. Quand tu viens, puis tu dis que on a fait le deuil, on a oublié de donner la parole à Solenko, qui était l'ex de la douane. Tu sais ce que ces filles et l'équipe organisatrice, tu sais ce qu'ils ont prévu, tu sais pourquoi on lui a pas donné la parole, tu sais pourquoi on a donné, tu sais, tu étais sur Paris. Tu aurais pu, il y avait les réunions de rencontre, il y a les gens qui n'étaient même pas de sa famille qui sont allés aux réunions. Toi, en tant qu'influenceur Numba 1 ou Numba 2 avec Ngoï, tu pouvais être dans toutes ces réunions, tu dis qu'on n'allait pas te chasser. Tu dis qu'on n'a pas, parce que tu veux y avoir comment tu vas faire pour que le soleil coule. Quand il va exercer, il porte un peu, il te donne 500 ou 200. Ça, c'est déjà le petit. Comme vous êtes ici, vous êtes les mendiants. C'est-à-dire, quand vous citez le nom de quelqu'un, vous attendez qu'on va vous donner quelque chose. Tu crois que c'est ce que tu veux? Mais tu dis que oui, ce qui m'énerve, c'est que vous n'avez pas donné la parole à Solène, que vous ne l'avez pas laissé parler. Mais attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Ça te regarde donc, quand tu étais dans le protocole, tu es d'abord arrivé en retard parce que tu es d'abord parti chop d'un restaurant, genre, avant de porter tes pieds pour venir chop et emballer, genre, au deuil. Et tu n'as rien trouvé, tu étais choqué jusqu'en. Tu as parlé de ça jusqu'en. Maintenant, tu dis qu'on n'a pas donné la parole, ça te regarde en quoi? Tu sais que la feuille de route, tu sais que l'organisation, tu sais que les filles ont décidé quoi? Les filles de la mer ont décidé quoi? Après tout, c'est le petit, ils sont en train de faire, c'est-à-dire ils sont en train de faire une cérémonie de départ de la vie de leur mère sur la planète. Donc, ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est d'abord leur maman. Oui, on a laissé cela, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Ça te regarde en quoi, gospel? Il faut qu'on liste pour que vous cotisez, Mouni, là. On prend la liste, on te donne. Tu vas être capable de lire le nombre de gens qui ont cotisé. Mouni, bête. Je demande. Parce que tu as dit que, oh, le président, on n'a rien donné. Il a dit qu'il payait les musiciens, il n'a pas payé. Il a dit qu'il faisait ceci, il n'a pas fait ceci. C'est quoi avec le président? Un homme charismatique. Un homme qui ne vous calcule jamais. Franchement, hein, il faut donner à César ce qui lui appartient. Je n'ai jamais compris comment ce jeune homme, il est même plus jeune qu'elle toute, hein. Toute là, il est plus jeune qu'elle toute. Oui, bon, ça c'est ton petit frère. J'ai jamais compris comment ce jeune homme ne vous calcule pas. C'est-à-dire qu'il a une façon, quand on a fini de l'insulter beaucoup, il fait une sortie, mais une phrase petite comme ça là, et il s'assoit et il croise ses pieds. Je dis, un père, celui-ci fait même comment, mais vous comprenez, non? Vous vous asseyez sur lui matin, midi, soir, c'est comme la canne à sucre, chacun, gnang, gnang. Le deuil, c'est pas celui qui dit que oh, c'est lui qui a fait ceci, ce n'est pas lui. Est-ce qu'il a dit, moi je n'ai pas vu où ce monsieur a dit que c'est lui. C'est quoi? Ou bien tu crois que comme le deuil est passé, on a entendu donner un trophée, tu voulais qu'on te donne. Tu n'étais même pas aux rencontres, maman. Tu es à Paris, tu ne fais rien. Tu as seulement déposé à Reims. Tu déposes dans la crèche, tu reviens, tu déposes, tu reviens. Si tu étais même monté à Paris, même 2 week-ends avant, pour vivre un peu les réunions, on pouvait dire que, ok, Ngo, ça a été même dans. Toi, rien. Même donner le bénévolat. Même le temps, tu es venu au lieu du deuil tard. Tu es arrivé peut-être à 22, 23 ans, on t'a séparé avec ta cour. Même bénévolat, tu n'as pas donné. Vous, même quoi aux gens, en fait? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein, ou ça? Vous faites une liste, moi, changer. Vous faites une liste, petit, vous cotisez là, moi, changer. Même les gens de la Réunion, même les gens de hors Réunion, si on te donne la liste, tu vas compter, maman. Tu es capable de compter tous les cotisants et de lire. Hein, maman? Dans 1 plus 2 plus 2, bon, 20 fois. Vous tu chantes, je vois ça, vous chantez. Vous me dites, ils ont cotisé, ils ont monté, ils ont descendu. Vous faites liste, vous pouvez cotiser. Vous chantez. Il n'a pas de bête. Il n'a pas de bête. Donc, il faut te calmer pour ça. Faut te calmer. Ma chérie, je sais que pour pleurer la nourriture, c'est ton travail avec ta patronne. C'est-à-dire que quand vous marchez avec vos ventres dans la main. S'il y a la chope comme ça, comme vous avez entendu qu'il y avait 5 buffets, 1 500 personnes, 2 000, vous êtes aussi allé pour voir. Mais vous avez vu, non? Vous avez vu qu'il y avait tellement de gens. Vous pensez que c'est facile. Pourquoi tu n'as pas pris là où tu étais assis, tu t'es pas levé pour faire le service? Comme c'était ta maman. D'antan, tu étais une laveuse des assiettes dans le 17e que j'ai entendu là. Ça se trouve, tu as même lavé les assiettes dans son restaurant. Ou dans son restaurant, tu as soulevé. Peut-être les durs gens qui t'ont bien dépanné, le restaurant de Céline, ça t'a servi à un moment donné. Pourquoi tu ne parles même pas un peu tôt? Tu as même à 20 heures, tu fais un peu de. Pour aider
servi. Tu es sûr, tu dis que les gens prenaient donner à leurs gens. Pourquoi toi aussi, tu ne vas pas te tenir pour prendre des données à tes gens? Tu crois que si tu donnais ton temps pour le, au service de cet événement, on allait te chasser comme ça? Balideur. Balideur, vous dites que quand on ouvre Facebook comme ça, c'est vos deux noms qu'on doit prononcer, toi Pingoy. Mais vous n'étiez pas là. Dans toute l'organisation de A à Z, vous n'étiez pas là. Mais la critique, c'était vous. Le soir, le matin, vous étiez les premiers à vous asseoir pour critiquer. Vous n'avez même pas honte. Chez mon loup. Vous n'avez même pas honte. J'ai dit, toi, Angosa, là, tu n'as pas honte. La honte a foutu le camp chez toi. Tu marchais qu'avec ton ventre dans la main. Tu es parti au resto avant d'aller au, au deuil. Tu avais mangé. Si tu arrives au deuil, on ne te donne même pas le well, le problème. En tant que la salle, la belle salle d'Espace Venise, Céline est bien placée, son hôtel, ses filles ont fait le discours, les personnes qui lui sont chères et tout, et toi, on a chanté, on a loué. Oui, ben, ce qu'il devait faire 2 heures, il a fait 1 heure. Tu étais où pour mieux organiser? Pour faire un peu plus haut, qui est mon 15 heures. Tu me viens écrire le nombre de temps que Ben Sikin va faire mon kiosque. Mon kiosque en bas 2 minutes. Peut-être même les gens qui ont organisé, ils ont même 40 minutes. Où les gars? Au bon numéro. C'est quand vous cherchez sur les réseaux, vous allez trouver, vous les affamés du net là. Il y a toi, il y a Ngoy. Vous deux, la famine peut vous tuer. Les deux stables, mendiantes, patentées. Puis il Facebook, une vomière d'un Dieu. Bien, tu ne m'as pas dit. Il n'y met pas. Bien, tu ne m'as pas dit. Il n'y met pas. Bien, tu ne m'as pas dit. On est assis par terre, on attend. Mm-hmm. On attend, on est assis par terre. Donc, je dis que, l'autre jour, apprends à fermer ta bouche comme ça. Quand ça finit, non, danse. Tu dansais souvent la sico, c'était bien. Continue à danser la sico. Mm-hmm. Et tu te fais éplucher. Maintenant, on a vu les photos des cuisses, comment on a tout mangé. Tu te fais éplucher partout, par ton éplucheur. Maman, laisse les choses. Quand les gens s'asseyent, cadre là, c'est bien, laisse maman. C'est comme si tu n'as même pas vu. Mais quand tu t'assois sur, ah non, sur ça, non, ça énerve. Ça énerve, ça nous énerve. Ça, moi, ça m'énerve. J'ai tes maigres, tes cachets qui te restent là. Et puis tu vois s'ils peuvent t'envoyer un petit 100 euros. Parce que voilà, un jeune, 100 euros pour aller payer les maigres maquereaux. Et comme Thierry, moi, gigolo, moi, c'est une chose. Young, en main. Hé, mon père. Mon père, tu as fait quelque chose, mon père. Mon père, Achille Ticolo, toi, si là. Comme tu nous donnais la paix sur Meta. Depuis, les orphelins n'ont plus vu mon spirit. C'était la maman des orphelins. Hein. Elle n'est plus passée. Chaque année, elle est au pays, même peut-être même 2 fois. Je mens. Ouais, ils sont où? Je mens. Nous, on est mal à 2 fois. Mon spirit, nous, on est mal à 2 fois par année. N'est-ce pas le période? Oui, oui, je ne mens pas. Elle partait 2 fois. Au pays, donc ça que vous voyez là, 2 fois au pays est parti. C'est pas des choses qu'on parle. Maintenant là, mon père est parti et mon père n'est plus revenu. Maintenant, on a pu, elle n'est pas plus au pays. C'est fini. Ok, avant elle partait au pays 2 fois. Je ne sais pas si je vous dis là, vous entendez? Elle partait au pays 2 fois. Par année. Je vous dis, mon père, Achille Dicolo a fait quelque chose sur Facebook. Une fois, mon ami, le bon, est venu dire ça, ils sont riés. Non. Il avait raison. Ah, il devait, mon père, ça dit, bring back our mon père. C'est mon père qui connaissait régler ce problème pour nous. Même les lunettes de Marc, il y avait. Même les sacs, elle avait beaucoup de choses. Hé, hey, ça a été en haut, hein. C'était en haut, elle avait les sacs, les lunettes. Une fois, elle voulait égaler Marie Larose, elle a sorti quelques petits paires de choses. Marie Larose avait la garde-robe, le dressing. Donc, ça a arrêté de montrer les choses. Mais c'était chaud. Mon père, quand même, c'est un gars efficace. Moi, j'aime bien mon père. Je ne sais pas comment on va faire. Mon père est parti comme ça. Donc, ça, laisse le plaisir à moi tranquille. Vous êtes allé là-bas, content même comment vous allez faire pour le salut. Quand vous marchez, vous faites les propres, quand tout à court là, elle commence à saluer, les gens commencent à causer avec les gens comme s'ils étaient amis là. Elle s'accroche pour créer une petite altercation. Mais c'est moi là, elle ne peut pas se perdre pour sonner mon téléphone. Moi, de façon, me bounder là, à bam choquer. Elle va accepter qu'elle a volé sans voler. Donc, vos choses que vous faites, tu es toujours assise. Quand tu t'assois en gros, tu ne peux pas parler 3 phrases. Sans venir sur l'eau. L'eau est devenue comme ton, je ne sais même pas quoi, la serpillère. Ta copine, alors, c'est la magie. Ta copine qui était même la yamseur de Lolo un temps.
Ça a la magie pour elle. Arrête, Zina, vous faites une Paris. La seule chèvre qu'on avait à Paris. Maman, vous avez vu. J'étais ici assise sur Facebook. Ngoï m'a donné le nom de chèvre. Assise ici. Maintenant, on a trouvé la vraie chèvre. Merci pour les étoiles, ma chérie. Bah, bring back our mon père, maintenant tu vois. J'ai dit que bring back our mon père. Mon père, comme vous voyez là, mon père payait le billet d'avion. Mon père donnait encore un petit argent qui arrive en faisant les dons, ajoute ça dessus. Et c'était ça qui était pour elle. Elle arrivait, elle vole les matelas, elle vole l'enveloppe. Dans l'enveloppe, elle enlève 100 000. Il y a toutes les histoires quand elle revenait. Les histoires que 50 000 a fait que ça. Moi, je ne sais même pas comment. Vous allez donner les dons aux gens. Il y a encore des agents qui quittent là-bas. Parce que vous-même, vous n'en avez pas. Il faut d'abord travailler ton propre argent. Sinon, toi-même, tu attends l'argent des gens là pour pouvoir manger. Mais c'est grave. Ça veut dire qu'on nourrit, c'est une mendiante qui va donner la nourriture à ses collègues. Mais mendiante voleuse, parce que tu es mendiante, ce n'est pas ta part qu'on t'a donné, on t'a donné que va donner aux gens. Tu dis que tu es la maman des orphelins, maman. Depuis là, les orphelins sont en route. Maman, tu fous dans ton cap, ça tient. Oui, maman, peu. Tu n'es plus venu. Mon père était au pays. Si c'était comme avant. C'est que tu partais, mon père. Mon père est au pays. Mon père peut payer en décembre. Il revient. Après, il repart encore. Mon père part me manger. C'est comme ça. Mon père est au pays. Toi, tu restes ici. Là, mon gars. Si quelque chose arrive, hein, moi, je ne peux pas me fâcher avec quelqu'un. Hein, sauf s'il viole mon gars. Si une fille prend mon gars, elle va me sentir. Moi, pour moi, fais tout, mais ne prenez pas mon gars. Voilà pour moi ça. Voilà pour moi ça. Pour moi, c'est les codes. Comme pour un carton pour un candor, pour un candor bruit. Pour un tangier là. Achep bruit. Allez-y, baillolo. Abre bruit. Ce bout tangier là. Et la chèvre. Donc, il me prépare, il me dit, mais j'ai bien beau corps de bruit là. Boutama bruit. Ambre. Mais l'ambre, angoué. Et mon fou. J'ai dit que je suis dépassé. Dépassé, j'ai dépassé. Mais on parle comme ça. On parle comme s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose ici. On a un compatriote là. Ce monsieur, on l'adresse tout le temps. Il ne calcule même pas parce qu'il est là pour ses buts et son idéologie. Il a sa feuille de route sur Meta. Comme chacun a sa feuille de route, lui, il a sa part. Il ne gère pas. C'est-à-dire quand vous venez vous parler de lui, il ne gère pas. Il gère sa politique, ces choses, des déclarations dans sa politique, politiquement politique, que vous comprenez avec quoi dans la compréhension, comme dit Valéa Bougou. Il ne gère rien d'autre. Ce monsieur, il s'est assis. On est venu chercher les problèmes. Les gens qui sont venus chercher les problèmes, tous les jours, son nom, comme la canne à sucre. Partagez le direct, c'est comment allez-vous? J'ai les maigres vues, mais partagez les maigres vues de la mer. Tranquillement, nous on avance un peu. Et ils ont 300 000 abonnés, nous on a seulement 50. Un peu. Donc notre frère a fait fort. Moi, je t'ai sorti ma chose hier. On m'a dit que c'est grave. J'ai dit que, avant-hier, dit que quoi? Maman, j'ai vu avec mes yeux. J'ai vu à mes yeux. Écoutons. C'est pas long. Tu es parti faire là. L'éleveur de poulet là. Tu es parti faire et il est revenu ici. Le prototype de Vacabon. Voilà. L'éleveur de poulet. Est parti faire il est revenu ici. Le prototype des vagabonds. Il vagabonde dans sa carrière, il vagabonde dans sa stabilité de vie. Parce que c'est un père de 5 ans, combien d'années? On ne connaît pas son statut. Parce qu'ils sont souvent assis, ils disent que marié, pas marié, montre-nous ceci. Moi, j'ai 5 ans, je suis assise dans le foyer. Je suis assise dans mon foyer. C'est mon foyer ici. Mon domicile conjugal. Eux,
mes collègues d'âge, on ne connaît pas où ils sont. Aranambamenzi, Abba ta braqueur, à ta braqueur de Dieu. Petit Priscali me toro. Allo, ici, Mandumba village. Priscali Kang, Dieu. On a de le yaou. Mouna en quoi le bouffon dole, bouffon yaou bole, yaou on appelle son dole. Mouna du bouffon nandole, yap ton figo, amawa yaou. La femme voit acheter trois heures, changer le pet, même trois pour arriver à Mandumba. Du bouffon yaou. Un monsieur, vagabond de carrière, vagabond de vie sentimentale, vagabond même politique, vagabond même du blog. Parce que l'enchant de choses avec le vagabond. Je dis que Jean-Louis, monsieur Jean-Louis, papa me sou, Jean, J. Rémi, mon nom, J. Voilà, monsieur J. Excusez-moi. Monsieur J. A mis les points sur les i. Oh, papa, tu m'as. Donner lui-même, même trois ruinards à mon nom. Mon mamba. Monsieur J. A mis les points sur les i. Le vendeur de poulet. Qui a payé le revenu. Ce qu'on appelle vagabond. Le vagabond vendeur de poulet. Son problème, c'est de parler de J. Le matin, midi, soir. Mayemki. Mayem Kinya Bakana, son problème c'est de parler de J. Remingo le matin, midi, soir. C'est ton camarade. Vous faites quoi ensemble? Ordre des abscisses, ordre des ordonnées, vous n'êtes pas la même chose. Hmm? Pas vagabond. Sopromax, vagabond. Maison close, maison close dans le vagabondage. Mm-hmm. Vendeur de, de poulet, poulailler. Vagabond. Il nous a parlé qu'il a la plantation des bananiers. Vagabond. Maintenant, c'est lui qui livre les quoi en France. Qui est venu, il a dit que moi, je fais Uber. Vagabond. Il essaye de faire le clan 2 et le peuple pour essayer de voir comment il renouvelle ses 10 ans. Parce que ses 10 ans sont en ballotage. Vagabond. Le nom de J. Point dans ta bouche. Je ne le connais même pas. Il ne le connaît pas. Mais lui, au moins, il a reçu 9000 euros. Il a reçu 9000 euros. C'est mieux que élever les poulets, vendre les œufs. Mais sur le sang de Martinez Zogo. Lui, au moins, il a reçu 9000 euros. Donc, il a quitté le poulailler. Depuis qu'il est monté, le cas de décès arrivait quand? Peut-être était supposé rentrer, mais il a reçu 9000 euros. Il rentre encore fait quoi? Il a abandonné le poulailler, parce que dans le poulailler, on a mis les copeaux, mais il n'y a aucun poussin qui est entré dedans. C'est encore un genre. Il a abandonné tous les bananiers au champ. Il est venu à Paris ici, derrière le nom de J. de Mingolo. Quand ça le pique, il dit que mon nom est dans sa bouche. Que j'ai fait Uber. Papa, on conduit ensemble, on est à la queue le. Nous sommes au même parking de ramassage, mon père. Et lui, au moins, il a eu 9000 euros. Donc, le bavardage qui fait direct, tout le monde est assis là-bas, 2000, 3000 en train de les regarder, 1500, comme il booste les pages pour faire comme si beaucoup de gens m'ont vu là. Et à la fin du mois, il n'y a pas kikik. On a vu la fille qui a monétisé la page. J'ai dit 0 dollars pendant que nous, on encaisse l'ouvrage. Est-ce que vous m'entendez? Je dis la page est monétisée. C'est 0 euros. Kik. Pendant que nous, on encaisse l'ouvrage. Il a m'appelé ici dans mon dîner, vous étiez là. Ce n'était pas le Congo ça. Elle n'était pas en train de clasher sur lui. Elle n'était pas en train de dire qu'il a frappé. Il n'y a pas la rien. Mais ils ont 2000 personnes abonnées. Hein. Ah meuf, si vous ne comprenez pas comment la monétisation s'y marche, c'est que vous n'avez rien compris dans la vie. Vous comprenez non? J'ai dit qu'ils ont 2000, je n'ai même pas 50. J'ai dit 50. Mais à la fin du mois, c'est dans mon compte qu'on rend fou. Et je ne comprends pas. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ces gens-là avait un chèque, on allait respirer. Ce qu'on avait capturé le chèque, nous tous avaient ça sur Facebook. Parce que l'arrivisme les appelle tantine. Ah bon, vagabond. Vagabond de vagabondage de vagabond. Ah bon, bouchinji, 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 comme le vent part. Là où il y a 200 euros pour cuit, 100 euros pour cuit, 50 euros pour cuit. Banzikou, ou bah, affamé du net. Ah bon. Lui au moins, il a pris 9000 euros. Écoutons.
le monsieur devant la télé. Pas les télés, Mbrakatay. Sur nos sangs de Martinez Zogo. N'avez-vous pas honte de passer votre temps à insulter l'intelligence des Camerounais? D'insulter mon intelligence? De me calomnier? Alors que je me bats pour vous? Voilà. Monsieur Machette, Proxo Promax, propriétaire de poulailler au copeau 100%, qui a fui et venu en France pour livrer la nourriture en disant qu'il renouvelait ses papiers et qui est en train d'attendre le procès des maisons closes et qui rafistole les miettes un peu partout, qui a la liste des noms des gens qui doivent restituer l'argent, mais il a tout chop avec ses deux, son trio de gars. Il a trois gars autour de lui là. Ils savent où ils ont mis l'argent là. Le sang de quelqu'un est au sol. Vos bouches sont là. Vous n'étiez même pas là. Au lieu de laisser la justice faire son travail. Monsieur J. Rémy, on a dit que lui se bat pour vous. Mais vous venez, salir, vous venez vous moquer de son intelligence. Vous venez salir ce qu'il se bat pour faire. Pour vous. Il dit qu'il se bat pour vous. C'est toi qui as le poulailler là-bas. Alors que je me bats pour vous, vous fabriquez des histoires qui n'existent pas. Vous défendez quelqu'un en vous prenant comme étant des satellites. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Ebodé, quand vous voyez ce nom-là, vous voyez que c'est un écambé. C'est un bassin. Et c'est ce bassin-là qui d'ailleurs a favorisé les détournements de billets d'image. Lieb Limal, toi encore c'est la suite du vagabondage. Parce que Lieb Limal a pris l'argent des gens Beaumaye, comme ça, partagez le diable, non, c'est comment est-ce? Je parle, vous n'êtes pas en train de partager, quitter ici. Lieb Limal a pris l'argent des gens comme ça, ce sont eux. Lui ici là, avec sa veste et sa cravate dans son appartement de Proxo Promax où il avait mis Camé, whatever, là-bas là. Il est en train de faire la prodada de Lieb Limal, il disait, tu mets l'argent, tout le monde ne veut pas être riche seul, je ne veux pas avoir l'argent seul. Il sortait les paquets d'argent, il faisait au sol, il mesurait, il comptait, il faisait le bruit. Lui là, Proxo Promax, c'est lui qui a fait la prodada de, on appelle le monsieur de Lieb Limal, Émile Parfait, Taclo. C'est eux qui ont fait passer ça comme une grande crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est la monnaie des singes. Même l'argent des singes est mieux parce que ça peut devenir la banane. Mais l'argent là, je ne sais pas. Au lieu même de mettre les gens dans Espoir de Njeng, parce que quand quelqu'un est d'Espoir de Njeng, il se dit qu'un jour, un jour, il va monter à la 4e division ou la 3e. Je ne sais pas si Espoir est déjà monté à la 4e. Quand vous les mettez dans Espoir de Njeng, voilà Yeb Limal qui est venu. Les gens ont fait fortune, mais pour une période X, après ça a fait boum. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont mis de l'argent. Je connais ici à Montréal, flop comme ça, qui ont mis de vrai argent. Moi-même, j'étais dedans. Heureusement, merci mon Dieu, je n'ai plus l'enfant de personne pour amener. Si je laissais moi à la porte, comme on m'a mis à la porte là, comme ça. Si je laissais à la porte presque 2 ans. Presque 2 ans. Le petit montant qu'on avait mis s'est multiplié par 3. Mais c'était là. Je n'ai pas. Le moment où je voulais commencer à dire que bon, je peux quand même prendre même un petit. Parce que c'était à un montant, il fallait mettre où c'était 3 000 ou c'est 1 800 limos, c'est 1 000 combien limos pour que ça double. J'ai dit que bon, je vais essayer ça pour que dans 6 mois ça double. Je vois comment je vais faire, je l'organise et tout. Et puis, ben, la pyramide est tombée. Voilà. Ça, c'est M. J. Rémy Ngono. Journaliste par excellence. Journaliste, pardon, par excellence. Journaliste. Et bien, ce sont les mêmes individus qui nous ont présenté Émile Parfait, qui est parti se réfugier en République centrafricaine comme étant un grand homme d'affaires. Il y a un autre qui se lève là comme un facochère. Il est blond comme ça. Il se fait devant la télé comme il a vu comme moi aussi. Ouais, Seigneur. Oh là là. Il dit que il y a un autre qui se lève là comme un facochère. Le type, c'est il a gardé à deux belles. Ou bien à Mokolo ou à Vokada parce que sa bouche. Hey, wow, 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 wow. Il y a un autre qui se lève là comme un facoché. Il est où? Ouais, Seigneur, non. On ne peut pas faire quelque chose de plus bon que ça. Je vous dis que Facebook, non. C'est la dimension
Tu n'as pas les nerfs, tu n'es pas solide, ne viens pas. Parce que ici, là, c'est là. J'ai dit que la course, mais ici, la course des enfants se fait le matin. Nous sommes les vieillots, vieillottes. C'est là-bas en haut. En haut de chez en haut, c'est le fait. On a atteint le fait. J'ai écouté la vidéo sur au moins 15 fois. J'ai dit que merde, le père s'il pouvait insulter quelqu'un comme ça. Attendez. Il avait la télé. J'ai mis la Les télé. yeux étaient là. Oh. Tu le vois là. Il a un ventre rempli comme l'hippopotame. Appelez-moi, je pourrais le voir. Qui est mon frère? C'est son Qui frère. est mon confrère? Et qui est? Moi, je suis journaliste. Vous vous connaissez où? Toi, tu fais le Congo ça avec les filles du 4. Le Congo ça avec les filles du 4. Tu viens appeler un journaliste, papa. Viens, on fait le Congo ça. Voici la femme avec les poches. La femme avec les yeux pochés. Qui est mariée, qui n'a pas la photo de Noël. Fais le concert avec les filles du quartier. Un journaliste. Tu fais le concert avec un journaliste. Lui, il a les arguments. Il bénéficie d'une immunité diplomatique. C'est un journaliste. Toi, tu fais le concert. Viens avec nous, nous, au quartier. Je n'ai pas fait ceci et cela. On t'a donné 7 000 euros. 7 000. 7 000 euros, le gros. Le gros, Gros. le gros, attendez, Gros. attends, 7 000 euros le gros, j'ai fermé ma voiture, 7 000 euros le gros, on t'a donné 7 000 euros le gros, viens faire le Congo ça avec nous, tu as dit que tu vas faire le Congo ça, continuons notre Congo ça au quartier avec les filles, c'est les nous là, ah je pose un cas, comme une fois je fais aussi le direct, devant la télé, maman, une télé comme ça et une télé comme ça. Et non, mieux il achète une nouvelle télé parce qu'à l'heure ci là, c'est pas les mêmes télé. Il y a télé et télé. Parce que ta télé là, monsieur, j'y pense à ta vanne. Toi, tu disparais dans ta télé. Mais l'autre télé là, non. Ah ouais, télé, ma paix. Oh là là, le type s'est abouché. Hein? Attends. Oh, Le 7 000 gros. euros. 7 000 euros, le gros si. Est-ce que tu as fait des directs sur moi? Et tu viens faire les directs sur lui. Mais 7 000 euros. chacun doit faire son métier. Mais oui. Mon métier. C'est Journaliste. celui de journaliste. Oui. Tout le monde le sait. Tout le Tout le monde. monde me voit. On le voit. Que ce soit RFI, France 24, France avant 24. cela, Oui. tout le monde m'a vu CNN. au Cameroun comme Voilà. journaliste, directeur de CRTV. publication. Directeur de Vous publication. me dites maintenant que vous êtes devenu Des des journalistes journalistes de sur Facebook. Facebook. Et qui est Tu es devant ta télé, tu es plus gros que ta télé. Attends. Un journaliste est gros comme toi. Anne-Woman. Anne-Woman. Je vous ai dit que la télé, là, ça dit que la télé de M. J. Point, Laval. La télé de l'autre, c'est lui qui écrase la télé. La télé, il est plus gros que sa télé. Partagez le direct, ça arrive jusqu'au village, à Mdokoti, au carrefour Mdokoti, parce que le direct, sinon. Oh non, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas en train de partager. Je parle depuis là. Voyons donc. Sortez, on fait pause. Vous sortez du direct. Vous mettez, j'ai 120 spectateurs. Sortez du direct. Vous mettez un j'aime, un cœur. Vous revenez dans le direct et vous partagez. Parce qu'il faut qu'on monte à 200 partages. C'est mon niveau. Le chèque suit, mais c'est mon niveau. C'est mon niveau. On ne peut pas accrocher le sac ou on ne peut pas décrocher. J'ai dit que c'est mon niveau, le chèque suit. Donc, sortez du direct. Mettez d'abord, vous venez mettre j'aime. J'attends. Je vous attends. Je ne parle plus, j'attends. Je vois ça monter ici. J'attends. Sortez. Vous mettez j'aime. Vous mettez j'aime. Vous partagez. Voilà, les partages sont en train de monter. C'est bon. On est déjà, on approche déjà 50 partages. On accélère les partages. Et vous revenez. Parce que ce que M. J. Reming on a fait, c'est ce qu'on appelle recadrer quelqu'un dans les règles de l'art. Et quand tu n'es pas un bon orateur, c'est pas ce qu'on dit que tête de poireau, primo B, tête triplement percée, les têtes de mando, les quoi, les machins, tout ça, c'est les choses du souk. C'est quand la maternelle qu'on parle comme ça. Pourquoi tu dis comme tes amis toujours, ils te parlent. Comme tu te regardes, tu dis que, hey, maman. J'ai dit que, continuez les partages. J'attends les interactions. Vous sortez du direct. Vous allez aimer le direct. Vous revenez dans le direct. Et on continue. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ceux qui mettent les étoiles, vous continuez à mettre les étoiles.
Oui, nous ne pouvons pas avoir une mort comme cette mort que nous connaissons là. Que même quelqu'un voit seulement, il passe, il dit que hey, c'est quelle qualité. Et les gens viennent parler ce qu'ils parlent là. Les gens viennent mettre les vendeurs de poulets qui ne connaissent même pas ce qui s'est passé pour défendre. Laissez la justice faire son travail. Ça vous regarde en quoi? Vous avez, c'est-à-dire que si ce n'est pas la famine, pour encore attendre, vous aurez pris 9 000 euros. Son frère Magnan a pris 7 000. Donc, Promax a eu 9 000, le gros a eu 7 000. C'est pas moi qui dis, le gros que la télé l'avale. Ah, que sa télé, qu'il avale sa télé disparaît, sa télé est très petite. Il faut acheter une nouvelle télé pour ce salon-là. C'est pas moi qui a dit, hein. Voici ça ici. Donc, lui a pris 7 000, l'autre a pris 9 000. Ça fait combien? Ça fait 16 000 euros pour couvrir quelque chose et prouver que je ne sais pas quoi. Nous n'avons pas les mêmes feuilles de route sur les réseaux. Vous dites que vous êtes journaliste de Facebook. Vous venez discuter le commissaire avec les petites filles du quartier. Maman, non, j'y point. Pour fort, on a au monde. C'est interdit. C'est interdit qu'un journaliste soit gros comme ça. Maman, ça va. Non, j'y point, gars. Gars, j'y point, non. Tu as fait fort. Je dis que, Mounsan, tu as fait fort. Mounsan dit que c'est interdit. La charte. Ah, Mounsan, non. Je dis que le type s'est battu. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit que non. Ça mérite un montage à la reine mère. C'est sur ma page. C'est bon à moi jusqu'à. J'ai comme mis ensemble comme ça. C'est seulement, vraiment, ça fait pas 5 minutes. Vous pouvez partager ça même dans WhatsApp. Faites distiller ça. Qu'on comprend comment un frère répond gentiment et poliment à deux forcenés qui n'arrêtent pas de s'adresser à lui. Oh, lui, il est journaliste. Les autres sont des journalistes autoproclamés de Facebook qui disent que tu avais les petites filles du quartier. Ils ne sont pas la même chose. Et aucun journaliste n'a le droit d'être gros. Non, j'y pourrais. On avait les journalistes en bon point, non. Moi, j'en connais. Nous connaissons tous, non. Les journalistes de pays, là. Et qui est à J-Point? Non. Tu n'es pas seul dans ta tête. Ouais, okay. Le type s'est agrandi vraiment à Nebel. Dites-nous la vérité. Gros comme ça. Tu peux être catcheur. Catcheur. C'est bon. Avec tes fesses contentes, ma chère. Ouais, Seigneur. Mieux c'est mes scènes, hein. Mieux c'est mes poches, là. On a dit que la femme, là, elle est pochée, elle ne dort pas. Mieux c'est ça. Maman, tu peux être catcheur. C'est bon. Parce que de toute façon, tu es debout là. Non. Ouais, Seigneur, non. On parle comme ça. Vous dites, je vous dis que il y a des fois des choses ici. Là, tu restes, tu dis non, c'est pas possible. C'est pas quelqu'un qui a fait ça. Non, 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 c'est pas normal. Je tiens là. Rien n'a de souffle. Mon métier de journaliste là est difficile, mon frère. Ah, ça Je bon. vous remercie. Donc, C'est vous êtes ma soeur qui a fui. Tchè, Rien tchè, ne tchè, tchè. C'est pour ça que ça s'enfuit. Manque de souffle. Le métier de journalisme est très, très difficile. Il faut parler. Tu peux parler même 5 heures de temps. Parfois, il n'y a même pas l'eau pour boire. Il n'y a même pas l'endroit pour te tenir. Parfois, ils parlent. Tu vois comment les balles passent. Tout. Là, ils sont dans les trucs où il y a les guerres. Ce n'est pas un petit métier. Et on ne doit pas être bon parce que ça ne prend pas l'embonpoint. Il faut respirer. Il faut être charismatique. Il faut avoir le gabarit qui va avec ma canard. À me parler comme ça, là. Yosh! Aïe! Non. Manque de souffle. Est-ce que ma soeur m'est directe pour une erreur comme ça? Non, 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 toi qui es soufflé. Maman. Et tu crois que c'est moi qui ai demandé qui c'est qui? Pour que maintenant tu viennes te venger sur moi? Pour venir contredire, pour venir m'appeler, m'interpeller? Ok. Tu interpelles un journaliste en tant que qui? Tu l'interpelles, un journaliste de renommée internationale. Hein?
Tu l'interpelles en tant que qui? Sa sœur danse, tang, 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 tang. Ses reins sont là, effectivement, tang, 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 maman. Wagnom, la main. Elle danse, boum, 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 boum. J'ai dit que je ne veux plus aimer. Mon avion, quoi. Ding, 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 ding. Apprends à manger ce que tu peux. Apprends à manger, oh. Ce que tu peux digérer, oh, apprends à manger. Ce que tu peux, mange ce que tu peux digérer. Tu as mangé trop gros. Tu vas digérer comment? Petit Jean, lui, petit J. Point Rémi, petit J. Point comme ça. Tu as mangé un petit J. Point comme ça, tu n'arrives pas à digérer. Vous êtes deux sur lui. Vous l'interpellez. Vous l'interpellez. Le journalisme n'est pas pour les facochères. Jamais. C'est un petit hippopotame. Non. Quand on va à la télé, on regarde votre morphologie. Voilà. Ni facochère, ni hippopotame, c'est proscrit au journalisme. La télé de Facebook, c'est toi qui fais ça. Comme tout le monde s'assoit, comme moi je suis à ma télé ici. Donc comme tout le monde s'assoit, il est à la télé. Nous voici aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a les journalistes. Autoprogrammé. Ce n'est ni pour les facochères, ni pour les hippopotames. C'est pour des personnes au baril. Hein? Voilà. Parce qu'il faut le souffle. Parfois, ils arrivent quelque part pour parler. Ils doivent courir parce qu'il y a le reporter. Et puis, il y a les choses, les balles qui passent. Ils doivent parler. Il y a le vent. Il y a la tempête. Il y a l'ouragan. Il y a le tremblement de terre. Les journalistes sont placés comme ça. Quelque chose tremble. Il faut des gens sportifs, formés. J'aime la fin, alors. Hein. Attendez, on arrive à la fin. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Télé, on regarde votre morphologie. Oui. Vous ne devez pas remplir votre écran. Non. Et puis, faites votre métier. Mais oui. Et quand vous êtes très costaud, mais on peut faire un métier comme celui de Francis Ngannou. Francis Ngannou. Quand je prends Ngannou, je dis, merci. Si j'appelle le cabaret du gaz. Ben oui. Parce que son gabarit, va avec. Et tout le monde applaudit. Oui. Parce que là, il s'en sort bien. Ben oui. Et parce que Dieu lui a donné ça. C'est ça. Oh, c'est Dieu qui mesure. Ouais, priez un peu. Pinangue me prie à Pascal. Oh là là. Priez un peu. Priez un peu, pardon. Priez un peu. Parce que c'est Dieu même qui mesure. Dieu lui a donné ça. Dieu mesure même. Vous comprenez, non? Dieu mesure. Non, faut manger ce que tu peux digérer. Mon frère, apprends à manger. Bim! Ce que tu peux... manger ce que tu peux digérer, mon frère. Ce que tu peux... apprends à manger. Ce que tu peux digérer. Dans la vie, oh, oh. Bidjongmout. Bidjongmout. Bidjongmout veut dire quoi? Non, le type si. Non, il a lavé. C'est-à-dire que, vous savez, le français, c'est quelque chose. Vous savez, il a mis les choses. C'est-à-dire que quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est pas possible. C'est limpide. Mais c'est limpide. C'est limpide. Ouais, Seigneur. J'ai dit que j'ai déjà ri. C'est-à-dire que j'ai déjà écouté ça même 50. J'ai dit que non, ça prend un montage de Reine Mébio dans la Niasmika. Ça me n'a pas montage, n'a un groupé vous poulet, poulet, garçon, poulet. Voilà le poulet et le machin, oui, ton vagabond. Non, il va me dire que les femmes mariées là, elles n'ont pas passé Noël. Mettez vos photos de Noël, elles ont les poches, ils ne dorment pas. Les femmes mariées là, oh, s'occupent des maris quand les femmes, lui ça dit ce qu'on fait, hein? Ou lui-même, on marié s'occupe aussi quand lui, il a les enfants, même les enfants au parc. Amène les enfants au parc. Amène les enfants dans les jeux d'attraction. Fais aussi la vidéo, tu nous montres. Nous, on n'a plus d'enfants de cet âge. Nous, on a des grands-enfants maintenant. Oui, ma petite louloute, je ne vais pas l'amener au parc. Là. Quand elle va aller au parc, maman, je vais au parc. Je contrôle l'heure. Je l'appelle au téléphone. Elle revient. Ou je vais la chercher. Ou je la dépose. Maman, je vais aller à telle attraction. Ok, je lui donne des sous. Elle s'en va. Elle arrive, elle entre. Elle fait ce qu'elle fait. Maman, je vais aller magasiner. C'est rendu qu'elle part au centre commercial entre les copines. À 13 ans, elle magasine toute seule. Si j'achète le pantalon, elle n'aime pas. Elle peut acheter elle-même. Je ne suis plus au niveau d'amener les enfants à la maternelle. Oh,
Bundu, c'est comme Gospit qui amène sa petite à la maternelle et elle dit accompagner les enfants à l'école à 51 ans. C'est comment est toi, chérie? Tu as 50 balais. Normalement, c'est grand-mère que tu devais commencer à aspirer parce que moi, j'aspire à grand-mère. Si ma fille me fait honneur, elle me dit que maman, voici le chéri Coco, voici. Non, moi, je suis déjà devenue grand-mère directement. Parce que je suis déjà traversée le cocoté là. La plus petite, je n'ai plus besoin. Je l'amène pour Pâques. Oui. Elle va dire qu'elle n'a pas fait ses pistes. Ok, c'est où? Tu lui donnes de l'argent. Elle s'en va avec ses amis. Parfois, elles vont prendre un verre au Starbucks. Quand c'est le beau temps qui s'en vient, elles vont prendre le vélo, elles pédalent, elles vont à Starbucks, elles prennent un verre, elles ceci, elles cela. Tu n'es plus derrière. À quel âge? Je vous ai dit de sortir, aimer et revenir. Vous n'êtes pas sorti. Je vais couper le direct directement. Je vais couper comme ça. Tchac! Une fois. Ma compagnie, bac! Une fois. Bouc soc. Ah oui, maman. Bouc soc. Bidjon mou. Les gens bêtes. Bidjon mou. Non. Non, non, non. Vraiment, je vous dis là, quand JP dépasse M. Paul, il dit qu'il va s'attaquer à Lady. Ah, car il ne peut pas s'attaquer à Lady. Il s'attaque à Lady, c'est la honte du siècle. Oui. Il parle de sa relation avec Lady, c'est la honte du siècle. Je vous dis ça propre. Il ne doit même pas tousser là-dessus. Moi, j'ai une grande fille. Elle rentre de l'école. Elle prend sa douche. Elle se lave. Même son lunch de l'école, c'est elle-même qui fait. Parfois, elle ne veut même pas. Elle veut plutôt l'argent. Elle arrive à la chute. J'ai un genre de problème que je n'ai plus. Mais vous, vous donc amenez les enfants au parc. Mais amenez-les au parc et laissez-nous tranquilles. C'est comment? Vous êtes sur Facebook où dit que les femmes mariées ont fait que. Je vais couper le direct si direct. Vous n'avez pas interagi, vous n'avez pas partagé. Je vais couper ça en direct. Parce que vous avez regardé ça. Vous avez dit que c'est quoi? On a signalé. Moi, je serais parti. Hein. Ouais, que. Non, oh non, je dis que non, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est un lavage à sec. Propre, ça que non, même si on dit quoi, Gloria Louise, non, je dis que c'est la magie. Et il est sorti demander des excuses. Oui, il a bégayé là, mais on a compris qu'il a demandé des excuses. Oh, oui, c'est comme ça. Oui, oui, quand c'est les familles, les forts. Oh, prostituée, puis entière, les ceci, appelez-moi si les tribunaux, les têtes. Voilà, monsieur. Aussi petit qu'il avait le gabarit des journalistes. Parce que toi, tu as le gabarit des catcheurs. Tu es dans la bande des Nganou là-bas. Francis Nganou, oui, va le trouver, c'est mon frère. Va avec eux, c'est là-bas que tu dois être. Laisse le journaliste, parce que même sa télé le bois. Mais quand il s'asseye, il doit avoir, il y a un cadrage. Comme je suis sur une chaise, il y a l'angle de. Hein, voilà, c'est ça. Comment me dire ma mio ou média? C'est bon à moi jusqu'à. Ouais. Je dis que Bidjon, 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 Iti, Bidjon, Ngolikoun, machin, les femmes. Il a les grands noms pour inciter les femmes. Ouais, ouais. Franchement. Oh là là. Je dis que non. Quand on écoute ça, on est content. Maintenant, je vais mettre écouter en continu sans couper. Nous allons savourer les paroles. Oui, c'est important. C'est important que certaines personnes... Franchement, monsieur J. Rémy Gonon, merci beaucoup. Au-delà de la politique, que je n'ai aucun argument, excusez-moi, vraiment. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours à ce niveau-là parce que ça prend que j'aille apprendre parce que j'aime argumenter. Si comme je n'ai pas, je ne suis pas souvent dedans. Mais si de temps en temps, tu peux venir nous trouver... Au quartier comme ça, là, comme ils nous fatiguent aussi au quartier. Quand ils te prononcent, tu les regardes comme tu fais là, de temps en temps. Ça va être bon, monsieur J. Point. Attendez, attendez. Attendez. Il y a un là. Qui est parti faire le bon au Cameroun et il est revenu ici. Le prototype de vagabond. Le prototype de vagabond. Son problème, c'est de parler de J. Point et Mingono matin, midi, soir. Maman. Je ne le connais même pas. Il ne le connaît pas. Il n'a entendu pas. Mais lui, au moins, il a reçu. Où s'est vu où? 9000 euros. Il a été wise. C'est mieux que élever les poulets. Elle vendait les œufs. Mais sur le sang de Martinez aussi. Et ensemble. N'avez-vous pas honte de passer votre temps à insulter l'intelligence des Camerounais? C'est ça. D'insulter mon intelligence? Son intelligence, journaliste. De me calomnier? Alors que je me bats
histoire qui n'existe pas. Oui. Vous défendez quelqu'un en vous prenant comme étant des attributs. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que Bodé, quand vous voyez ce nom-là, vous croyez que c'est un écambé. C'est un bassin. Mais c'est ce bassin-là qui d'ailleurs a favorisé les détournements de billets d'image. Ce sont les mêmes individus les mêmes. Qui nous ont présenté et mis par Vessim. Voilà. Qui est parti se réfugier. À sa tapis. Comme ton ananien. Et il y a un autre qui se lève là comme un sacoché. Un autre. Il y a un autre. Comme ça. Le secret devant la télé, comme il a vu comme moi aussi. J'avais la télé. J'avais la télé. Tu le vois là. Et là, Ne mélangeons pas les choses. Vous comprenez, non? Vous avez compris, non? Faut amener les enfants au parc et dans les coins d'attraction. C'est comme ça. Partout est pour que transpire. J'ai pas la bouche. Je ne savais pas. Moi, vous savez que quand, à l'époque, là, il y a peut-être 3 ou 4 ans, je me souviens, il n'y a même pas encore le COVID. Tu te connectais ici, on te savait que j'y peux revenir en ligne. Comme il y avait le chassement. Je dis que, pardon, partez avec. Moi, voici, si j'attends mes deux vues. Je suis toujours ici, toujours à la même place avec les deux vues. Oh. Ben, j'ai bloqué au moins 55, mais ça ne me dérange pas. Je bloque facilement. Mais quand on m'appelle, on me dit qu'il en dit, je dis que, pardon, maman maigre vue, laissez-moi essayer mes maigres vues. Je ne poursuis pas les vues. Je ne veux pas qu'on voit qu'elle avait 5 ans, mais vu. Non. C'est comme ça. JP, le gros. Ouais. Non, JP est fort. JP, pardon, je vais maintenant marcher. Si vous voyez qu'on parle de lui, on l'appelle à la barre. Vous lui dites, il prépare quelque chose, tant dans. Par lui, c'est 2 temps, 1 mouvement, 3 temps, 2 mouvements, bam, bam, bam. Il dépose que boum. Et puis, c'est fini. On n'en parle plus. Ouais, maman. J'ai dit qu'elle est le gros. Le gros.
Non. Non. On n'a pas beaucoup de partage, on n'a pas beaucoup de j'aime. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que vraiment, vous là, vous n'encouragez pas. Hein. C'est comment est-vous? Moi, je viens vous faire revivre. Je vous fais revivre minute by minute avec les détails, le millimètre près de ce qui s'est passé dans la manière la plus niasmique qui soit. Vous n'êtes pas en train de partager. Vous comptez sur quoi? J'ai dit que je veux couper comme ça. On va dire, ben, on a signalé, je ne peux pas signaler. Vous avez compris, non? Donc, c'était tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. C'est ce que ça prend. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sur les réseaux, il se croit tout permis, il parle à ses soeurs comme si c'était, comme s'il y avait un problème particulier, problème personnel. On se demande même on lui doit quoi. Il atterrit sur nous à tout vent. C'est-à-dire que sans, franchement, sans motif fondé, on est insulté, sali, vilipendé, tribord bâbord. C'est ça que ça prend des fois. Et quand ce genre de message arrive, nous ne devons pas rester indifférents par rapport à ça. C'est très important. Maintenant, je vais faire un petit retour sur notre émission Blessés de guerre, qui aura lieu dimanche. J'ai eu les feedbacks de la première émission. Les gens m'ont dit qu'il fallait attendre que Flore, Magina Quincan, ma mytho, inventeuse, salisseuse de vie, qui manque de quoi donner à ses abonnés et qui décide de prendre les vies des gens, mettre l'arôme magique, le piment et les détruire. On dit qu'il fallait que j'attende qu'elle finisse de dire, je ne suis pas à sa merci. Mon émission a 1 heure de début, 1 heure de fin. Je suis pas obligée de faire au même moment qu'elle. Je n'attends pas l'audience. Parce que la probabilité pour que je dépose et que ça soit suivi, ça va être là. Le partage était là. Je remercie les gens qui ont partagé. J'ai au moins 300 quand même de partage. Pour moi, c'est beaucoup. Parce que voici mon niveau de partage ici. Donc, quand j'ai 300 et quelques, j'ai beaucoup. Quand ça atteint, alors 500, c'est bon, maï. Donc, pour moi, c'était parfait. Et s'il vous plaît, j'ai amené la contre-information. J'ai une vidéo. J'ai une vidéo que j'ai reçue sur WhatsApp. Parce que dans la vie, quand vous voyez une histoire comme celle qui a atterri sur les réseaux de cette dame des États-Unis, comme vous voyez, revient encore à la charge dessus parce qu'il y a encore les témoignages. Je ne sais pas les qui vont témoigner, je ne sais pas. Une personne de la famille du côté du monsieur a appelé, mais elle a essayé de brouiller les pistes parce qu'il faut qu'elle réponde. Elle livre. Du moins la marchandise du premier client qui a payé. Je ne sais pas si les gens de la famille le côté du gars vont payer pour pouvoir aussi avoir la deuxième information, je ne sais pas. Mais elle a dit qu'elle a des gens qui vont venir témoigner. Moi, j'ai une vidéo à vous montrer que j'ai reçue qui m'a vraiment heurtée. Parce qu'on parle d'une femme mariée qui a récupéré le mari d'autrui. Il faut que je vous dise ça. Vous allez dire que oui, on ne récupère pas le mari qui n'a pas envie d'être récupéré. Mais récupérer, c'est déjà méchant. C'est déjà une fatalité. C'est déjà méchant. À partir du moment où un homme est déjà uni à une femme et que toi tu viens te mettre au milieu pour enlever, tu fais ce qu'on appelle le vol, comme Rosa a fait et elle n'est pas heureuse. Merci pour les quelques partages qui se sont encore ajoutés. Je vous ai dit de sortir, aimer la vidéo et revenir et puis partager. Merci quand même pour ceux qui ont ajouté. Il y a à peu près 10 partages qui se sont ajoutés. Merci. On continue les partages et on continue le direct. J'ai reçu une vidéo qui m'a un peu heurtée. Je me suis dit, je monte pas, puis j'ai dit, je vais montrer. Moi, je vais écouter, moi, je trouve ça vraiment nauséabond qu'une dame mariée se comporte comme ça. Elle est mariée, elle est séparée avec son mari depuis quelques années. Hein. C'est pas maintenant. Ça dit que séparation de corps. Le mari a eu restricted odeur. Quand il était dans la maison avec elle, restricted odeur veut dire que tu n'approches pas mes 5,50 m. Et même chose pour elle. Il y a un show dehors qu'elle a eu restricted odeur avec le show. Je vous ai dit ça dans le direct, je n'ai pas menti. Mais, étant une femme terriblement mariée, elle est dans tous les gandas. Mais l'attitude qu'elle a dans ces gandas est une attitude pas faisable. Merci pour les partages. Les partages ont doublé en un temps record. Merci beaucoup. Franchement, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui veulent que je reste sur les réseaux. Je vais rester parce que c'est vous ma force. Maman? Merci pour les étoiles, ça commence à bien faire. Je dis que la dame a eu, la dame aux États-Unis, moi j'ai reçu une vidéo d'une femme mariée, elle n'est pas encore divorcée,
Mais c'est une stripteaseuse. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. C'était son métier. Nous ne nous moquons pas des métiers des gens. Les gens ont des raisons d'exercer un certain type de métier, même si ça n'en est pas dans certaines communautés. Mais c'est son métier, c'est son gagne-pain. Nous respectons ça. C'est une danseuse de bar. OK? Une danseuse de bar au state. J'ai reçu pas mal de choses. Pas mal de choses venant de cette dame. Pas mal. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci ceux qui sont en train d'envoyer les étoiles. Merci. Il faut que je retrouve la vidéo. Attends, c'est où? Baba, c'est ça. Voilà. Je vais. Est-ce que quand je mets la vidéo, on voit la photo? Voilà. Ça, c'est une femme terriblement mariée qui est en instance de divorce, avec tout ce que ça comporte, et comme si ça ne suffit pas, il faut quand même qu'elle amène son mari à la vendite, à Flor Magina. Pourtant, elle est déjà en instance, elle a tellement abusé du gars dans tous les sens, que le gars est en train d'essayer de se reconstruire. Je ne sais même pas s'il peut reconquérir sa première femme, ce qui est très difficile, parce que peut-être avant de partir, il avait peut-être nagué, je ne sais pas. Mais le gars est vraiment dans la chenoute. Et cette dame, attendez, ce que je vais faire, je vais d'abord enregistrer la vidéo, parce que je ne veux pas que quand je vous fais voir ça, que vous voyez le numéro de la personne. Parce que j'ai des gens qui m'envoient beaucoup de choses. Voilà. Je ne veux pas. Attendez, je vais d'abord enregistrer. J'ai encore d'autres choses que j'ai reçues. Une autre personne encore. Attendez. C'est terrible. Une femme terriblement mariée qui fait ce genre de vidéo dans Denganda, où il y a les gens assis partout, partout, partout. Ça dit que c'est la dépravation des mœurs. C'est les collègues de Mboy. On ne peut que voir, c'est-à-dire on ne peut que assister à ce genre de fin. Pauvre Christian. Pauvre Christian. Moi, je n'encourage pas ça. Moi, ça me... C'est-à-dire, ça vient me chercher. Ça me fait mal pour ce monsieur. Il ne mérite pas ça. Attends. Il ne mérite pas ça. C'est que je cherche les autres choses que j'ai reçues. Ça vaut la peine. Je décide souvent si je montre. Ça me dérange, vous voyez. Montrer, me dire, voilà, j'ai deux. Je vais vous montrer celui-ci et l'autre. Ok, j'ai deux. Au complet, voilà. C'est terrible, c'est terrible. C'est même pas des vidéos qui nous édifient ou qui nous honorent. Mais quand tu es une femme mariée, tu vas avoir une posture décente. Vous comprenez? Elle a donné rendez-vous dimanche à 20h. Moi, je vais donner, parce que c'est 20h de France. Moi, je sais pas quelle heure il est en France maintenant. Si quelqu'un peut me dire quelle heure il est en France maintenant, pour que je vous donne mon heure de dimanche. Mais je ne suis pas obligée de faire après elle. Je ne marche pas sur ses pas. Je dépose, ceux qui vont suivre après, ça ne me dérange pas. Mais je ne fais pas quand elle a fini, parce que c'est quelqu'un qui sait s'éterniser pour salir les gens. Moi, je prends mon temps, je donne l'essentiel et je quitte sur la place, parce que j'ai des choses à faire. J'ai une vie de famille, j'ai une vie, j'ai pas mal de choses à gérer. Attends, mon volume est bas. Comment ça, ma chérie? Le volume est haut. Le volume est haut. Les blessés, les gars, on se trouve de blessés ce week-end. Vous m'entendez maintenant? Merci pour les étoiles. Donc, j'ai dit ceci. 23h03. S'il est 23h03 maintenant à Paris, il est 17h03 ici. Donc, 23h minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Donc, on a 5 heures de différence. Je comprends maintenant. On a 5 heures, comme c'est l'heure d'hiver. On a 5 heures de différence. Ça veut dire que... Ouais. On a 5 heures. Ça veut dire que si je mets... Donc, je vais mettre dimanche à 21h30, qui va faire 15h30. Dimanche, 21h30. Oui. Ça va faire 15h30 de Montréal. Parce que c'est 5h, donc 21h30, 21h30, donc 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30. Donc, ça va être dimanche à 21h30, comme le journal de 20h30. Voilà. Je vais mettre ça à 21h30. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça va être 15h30. Voilà.
C'est ça. Merci beaucoup, Melting Pot. Melting Pot, Melting Pot, Melting Pot. Merci. Donc, je disais tantôt, cette vidéo que j'ai reçue m'a vraiment heurtée. C'est une femme terriblement mariée qui se comporte comme ça. Vous comprenez? Avec des gens qui crient, avec des gens dessus. Je ne sais pas s'il faut que je montre ces gens-là. Ce que je vais faire, je vais mettre des bonhommes souris pour que quand elle quitte, on ne voit pas ces gens. Attendez. Il y a des gens assis avec elle au panda. C'est dommage. Une femme terriblement mariée. Attendez. Je vais mettre des bonhommes souris sur les visages de ces gens parce qu'ils vont atterrir dans le net sans le vouloir. Vous comprenez? Vous voyez? Vous voyez ce que les gens nous poussent à faire pour pouvoir, je ne sais pas moi, justifier un certain nombre de choses. Parce que sinon, c'est sali pour sali. Je n'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Attendez, où ça que je trouve de quoi pour... Je voulais mettre les maudits, les émoticônes, les emojis. Les... Attendez, ce que je vais faire, je mets play, je vois un peu jusqu'où ça s'arrête. C'est elle. Est-ce qu'on voit la tête de la femme là-bas? On voit sa tête. Il y a les femmes normales dans la maison en train de regarder une femme. Là où il y a au coin là, je vais cacher les visages là. Je suis obligé de les cacher sur la photo aussi. C'est une femme mariée. On entend les voix des gens. Je vais laisser les voix des gens. Je ne vais pas mettre un mot de mute. Mais je vais cacher les gens qu'on voit là. Parce que c'est laid. Et c'est ça qui vient parler de blessés de guerre. Elle s'est juste mariée pour pouvoir peut-être faire ses enfants. Et essayer d'exploiter le Tchinda, le Christian qu'elle a trouvé comme un mougou. Et maintenant venir, maintenant faire sa belle vie qu'elle fait là. Non, she live your best life. Attends, je vais chercher ce que je vais mettre dessus. Comment je fais? Oh. Une façon de faire pour mettre l'emoji. Je dois mettre l'emoji sur cette affaire. J'ai des gens sur la vidéo que ça ne me tente pas de les montrer. Pourquoi? Parce que, écoute, ils n'ont rien à voir avec les conneries de cette femme-là. Attends. Si je fais comme ça, je recadre un peu. Parce que ça enlève la tête. Je ne sais pas. Attends. Mais OK. Je mets play. Je suis obligée d'essayer d'arranger, hein, parce que moi, mon but n'est pas d'exposer les gens. Mon but est qu'on sache à qui on a affaire. Cette femme, alors celle-là est toujours visible. Comment je fais même? Il y a une là-bas, là, au coin, on la voit toujours, dis donc. Ah, ah. Une femme mariée, attendez. Nous sommes là, en train de combattre. Je vais me laisser encore. C'est pas grave, hein, j'essaye de recadrer l'image pour vous montrer juste l'essentiel. Le genre de choses qu'une femme mariée fait dans un ganda, dans une ville. OK? Je montre ça, je prends sur moi de montrer. Mais je cadre bien pour ne pas montrer. Quand elle sera assise, on voit les gens encore. Voilà les gens, je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, je vais couper là où elle s'assoit. Je vais laisser là où elle est debout. Parce que moi, je suis là pour chercher les choses aux gens. Oh, maman. Bien. On fait comme ça. Si elle discute trop, je mets toute la vidéo. Vous savez que pour moi, ne pas loin. Je ne suis pas dans les choses. Que, voilà. Je m'arrête ici. Je baisse comme ça. Voilà. Je m'arrête là. OK. OK veut dire que ça donne quoi? Je ne veux pas voir les gens là. Je ne suis pas là pour mettre les vies des gens dehors. Les gens ont le droit d'aller au Nganda s'ils veulent. Voilà. C'est une femme mariée qui danse dans un Nganda. Ça aussi. Ça, c'est combien de secondes? Oui. Et ça, c'est la plus petite, c'est ça? Petite vidéo. Ouais. C'est toujours elle. Elle va se reconnaître. Il faut lui dire que la reine mère Dieu a tellement de choses que arrêtez vos conneries. Arrêtez de faire comme si vous allez salir le garçon là. Laissez. Laissez le garçon là tranquille. Il y a quelques gens qu'on voit encore. Attends. Moi, elle m'a su. Moi, je ne suis pas ici sur Facebook pour chercher à voir. Non. Moi, ce n'est pas mon but sur les réseaux. Mon but sur les réseaux, c'est qu'on arrête de détruire et de ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à se suicider pour des choses que vous faites sur les réseaux. Sur le... Voilà, je crois qu'à ce niveau, c'est bon. Ce n'est que Mamie Wata qui est là, seule. Voilà, dans son œuvre. Excusez-moi, mais c'est important que vous voyez le genre de spectacle que peut livrer une femme terriblement mariée, certes en instance de divorce, dans un ganda. Et il y a les gens, et il y a le volume. Vous entendez les gens qui parlent.
Je mets le volume, bien sûr. Une femme ténue, elle est sur la table. Sur la table, Onganda. Sur la table, Onganda. Quelqu'un touche ici. Une femme terriblement mariée, Onganda, sur une table qu'elle est montée. Même jour, debout Onganda, même jour. Terriblement mariée. Elles sont Onganda en train de boire les champagnes. C'est l'épouse, hein, qui est en train d'accuser le mari. Tout ça parce que, c'est pour ça qu'on dit que quand on ne veut pas descendre ou salir quelqu'un, il ne faut pas qu'il en mette aussi. Madame Mercedes Star, ok? Isouza, hein? Ton nom c'est quoi là? Imouza. Ton prénom me dépasse. J'ai toujours dit que ça veut dire que quoi? Imouza, ton Isouza. Attends, je vais chercher ton prénom, ma fille. Je ne connais pas ton prénom là, me dépasse. Eloula. Eloula, c'est ton prénom, Eloula. Mademoiselle Eloula Mercedes Star. Son Mercedes Star, c'est S-T-A-R deux fois. Lélé, une grande Lélé à Dissi, qui danse Onganda, terriblement mariée, mais qui décide que sa collègue patronne de la congrégation de Lélé va détruire son ex-mari pour que son nom soit sali à jamais. Tu ne peux pas quitter l'enfant de tuer, tu pars, tu le laisses. Tu ne viens pas le salir. Je ne comprends pas. C'est une femme, elle est encore terriblement mariée. Elle, Onganda, elle danse, les autres tapent les mains. C'est que j'ai enlevé, j'ai raccourci la vidéo. Il faut qu'Ongoye nous donne l'intégralité de la vidéo. Il y a même des gens assis là. Ça doit être des personnes responsables. Ce n'est pas de ma faute si Onganda, une fille, décide de monter sur la chaise pour danser. Ce n'est pas de ma faute. Mais une femme mariée fait ça? Je ne pense pas. Et c'est une ancienne stripteaseuse. C'est parce que son mari s'est dit, si elle a même fait la vie de traîner, des fois on dit que les femmes traînées gardent bien le foyer. Donc lui, il n'a pas tenu compte, il n'a pas voulu là. Tu comprends un peu? Et puis il a dit, bon, ok, c'est correct alors. Mais non, on ne fait pas ça. Eloula, ton nom là me dépasse. Eloula, Eloula, tu es latino. Eloula. On ne fait pas ça, ma chérie. Tu es une femme terriblement mariée en instant avec des jeunes enfants. Je vais vous dire ce qui l'amène de retourner encore dehors. C'est que quand elle s'est mariée, son mari aussi, elle était dans les ambiances. Vous savez, il y a un âge pour tout le monde. Hein. Même moi, à un moment là, j'étais jet set tous les week-ends, vendredi, fini de travailler, pam, je suis dehors, mouvement sur mouvement, on monte, on descend, on monte. Maintenant, je n'arrive plus, j'ai la flemme. On dirait qu'il y a un temps pour tout hein, dans la vie. J'ai un peu la flemme d'être de monter, descendre, monter, descendre. On dirait que mon temps, ça, je laisse la place à la jeunesse. Je ne sais pas, mais je peux être dehors, sauf que ce n'est plus le même engouement. Chaque chose a son temps dans la vie. Mon mari, pareil. Alors, elle, ce qui se passe, c'est quoi? Elle est dehors tout le temps. Elle travaille, elle finit de travailler, elle va acheter des champagnes. Il se trouve que son premier fils, qu'elle a eu avec son mari, a un problème de, comment ils appellent ça? Comment dire? Une difficulté d'adaptation. OK? Et cette difficulté d'adaptation a permis que le mari s'est dit, a amené le mari à changer et à être sur place pour être concentré, pour s'occuper de son fils, pour donner l'attention, l'amour et le temps pour essayer d'aider son fils dans la mauvaise passe qu'il traverse. Madame n'a pas aimé, elle voulait toujours continuer la vie de débauche. Et c'est là qu'elle a commencé à donner la merde au gars. Mais le gars a tenu son bout parce qu'il a dit, mon fils a besoin de moi. Tu ne peux pas être en train de sortir, peut-être même si ta maman est là, tu laisses les enfants et maman, tu pars à la fête, tu rentres, tu dors, tu te réveilles. Tu n'as pas le temps de voir les enfants. Et les enfants ont des problèmes qui demandent ton attention et ta présence et tu n'es pas là. Alors ce monsieur a choisi de ne plus faire la vie de fête de champagne de si. Elle, ça l'a frustrée. Et c'est comme ça qu'elle a continué. Elle a dit, ah, toi, tu restes à la maison. Et là-bas, c'est devenu la perversion. J'ai dit qu'elle danse sur les tables. C'est elle, là. Elle danse sur les tables. Une femme terriblement mariée. Elle n'est pas encore divorcée. Mais elle amène le chantier en Angoué pour prouver que le gars voulait la maison. Ok, elle vient souvent accuser Christian pour rien. Christian ne veut même pas la maison puisque je vous ai dit que la maison, elle a acheté au nom de sa mère. Donc, la maison n'appartient pas à Christian. Elle a mis le nom de sa mère, bien qu'elle était dans le foyer avec lui, mais elle a détourné, comme elle est toujours wise, elle a mis le nom de sa mère. Eloula, t'es méchante. T'es vraiment méchante. Le mariage n'est pas facile. Quand nous émigrons dans ces pays, il y a l'intégration, la société qui nous demande beaucoup, tout ça.
Mais on doit faire des concessions. Tu es capable de mettre de l'eau à ton vin. Je sais que tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu sais que tu as votre patron de l'élé, qu'elle va s'asseoir à parler. On va insulter Christian, va se cacher, va fermer ses comptes et fuir. Ou on va le mettre, oh, on va l'insulter jusqu'à ce qu'il va ne plus jamais sortir sur les réseaux. S'il est grillé comme moi là. Moi, on a tout dit. Je suis là. Inventé jusqu'à ce n'était plus bon. Je suis là. Ne bouge pas. S'il est comme moi, tu auras du fil à retordre, Madame Iloula. Tu auras du fil à retordre s'il est comme moi. Et vous êtes en justice, hein? Fais très attention. Vous êtes en justice. Tu joues un jeu là. Mais on connaît le jeu là. Le jeu que tu joues là, on connaît ça. Et on peut prouver ce que tu es en train de jouer là. Donc arrête. À cette heure, même les messages WhatsApp, on peut les traquer. On peut aller sortir, exhumer toute la bande de données des échanges WhatsApp. À cette heure, si les autorités compétentes ont besoin de ça, pour matière, pour besoin d'enquête, vous ne pouvez pas détruire les gens toute une vie et penser être impuni. Ça ne peut plus se faire, ma chérie. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Ça ne se fait plus comme ça en 2023. Nous sommes en train d'avancer. La cybercriminalité détruit et abîme. Ton mari s'occupe de votre enfant. Toi, tu veux abîmer sa santé psychologique pour qu'il n'ait plus toutes ses facultés, pour qu'il ne soit plus mentalement prêt pour aider votre fils. Toi, tu es dehors à errer et lui, il se bat pour aider les enfants, mais toi, tu ne veux pas qu'il soit mentalement prêt pour ça. Est-ce que c'est normal? Iloula. Ngoï Satan. Ngoï encore, elle est sans fou, elle est selfish. Dès qu'elle a encaissé ses 1000 euros, elle va parler ça même 3 fois qu'elle t'a déjà fait ça. Elle s'en fout, vous montez avec vous, descendez, c'est plus son problème. Donc, il faut changer. Arrêtons un peu ça. Arrêtez vos choses que vous appelez blessés de guerre. C'est toi, la blesseuse. Tu n'es pas blessée, tu es une blesseuse. Tu as fait trop du mal à Christian. Iloula. Iloula de DC Baltimore. Tu as fait du mal à Christian. Mal mauvais. Puis, Yako Christian. Tu veux salir cette famille à tout prix. Tu veux traîner cette famille dans la boue. Tu veux les passer pour des malpropres. Putain, ils ne le sont pas. Tu sais que tu as épousé un monsieur qui venait d'une grande famille. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Parce que tes collègues de la congrégation, des lélés, te le demandent pour nourrir votre haine, pour avoir du sujet par rapport à votre destruction que vous faites sur les gens. Ça n'est pas abusé. Une femme de ton calibre ne doit pas danser comme ça dans les maquis et les gangas. Non. Même si tu as le corps qui va avec, ça doit être derrière toi. C'est ton métier d'antan, mais ça doit être derrière toi. J'ai vu dans la vidéo les gens qui étaient dans le même une maman, et une femme un peu plus mûre en face là. Une femme mûre qui te regardait comme ça. Elle aussi, elle est venue au ganga. Tu danses, elle va t'arrêter avec quoi? Elle regarde aussi. C'est peine perdue. Christian n'aura même pas un mot de tête. Donc vos pètes-pètes là, ça va mourir dans le feu. C'est toi qui auras honte. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et blessé de guerre va rester. Je vous ai dit que toutes les personnes que Flore Magina Kenka, moi j'appelle tout son nom, viennent déposer ici sur Facebook que blessé, vous me contactez. Je donne le compte. Tranquillement. Je n'ai pas besoin d'avoir 2000. Non. Je me connecte. L'heure que j'ai dit, je dépose ma part de colis, je quitte. Je n'ai pas besoin d'attendre, elle finit, je viens, oh, comme ça, elle fait. Ce n'est pas, je n'ai pas d'énergie, je ne mets pas les organes. C'est lentement sur eux. Vous déposez ça, je démonte le truc propre avec les preuves et je reste tranquille. La vérité prend les escaliers. Les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Pendant que vous allez arriver très vite avec le mensonge, moi je vais arriver lentement, sûrement et bien. La vérité finit toujours par triompher parce que Dieu regarde les cœurs. C'est là où vous dépasse aller. C'est là où vous n'avez pas compris. Ben, c'est dedans. On ne fait pas les choses pour le matuvisme. C'est à l'intérieur. Ils sondent les cœurs. Oui. Christian ne peut pas mourir comme ça pour rien. Tu ne peux pas faire ça à ce gars-là. Tu comprends, non, Iloula? Tu es méchante. Avec ta soeur Changuna, tu es méchante. On va voir comment vous allez faire. Même que dimanche, moi-même dimanche, 21h30, je suis connecté, blessé de guerre. Ça va être 21h30. Je vais changer ça sur le flyer. 21h30. Quand elle lance, ça ne fait pas 30 minutes, je lance. Je n'ai pas besoin de 3000 personnes, je vous ai déjà dit. Le partage, comme là, on va atteindre 100 partages faciles.
c'est bon à moi. Parce que ça porte. Ça finit par arriver où je veux que ça arrive. C'est ça le plus important. Moi, je n'œuvre pas pour Lucifer. Lucifer, c'est bling-bling. C'est bling-bling, le bou-bou-bou-bou, tout le pou-bou. Quand on va à l'église, c'est select. Quand on arrive, franchement, ça n'a pas besoin de trop. C'est du pur. Voilà. Clair et limpide. Voilà. Donc, ma chérie, c'est peine perdue. Tu ne vas pas abîmer la santé psychologique du Christian. Il va être fait faux. Il est entouré de sa famille. Tu n'auras que ce que tu mérites. C'est dommage. Il a voulu te tendre la main, se disant que tu sortais de la rue pour venir construire. Mais non. Tu avais une feuille de route, tu avais un plan derrière ta tête. Et tu as mis ça déjà à exécution. On te regarde, on en rit. Tu ne vas pas faire du mal à cet enfant. C'est le fils de quelqu'un. Oui, j'ai dit ça, Rora. Donc, c'était la maman de l'heure juste. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas. Je vais donner 5 minutes pour des questions. J'ai fait le direct sur mon ordi. Donc, je n'avais pas moyen de prendre quelqu'un qui va parler et tout. Mm-hmm. On t'a vu hein, en train de danser. Attends, je remets encore les deux vidéos là. Dommage. C'est une table d'Anganda. Vous voyez, non, il y a des gens là-bas. Regarde, d'Anganda. Elle danse. C'est une table. Une table d'Anganda. Une table d'un maquis. Quelqu'un danse comme ça. Vous entendez, non? Voilà une femme. Terriblement mariée. C'est sa part de danse là-bas. Elle a le corps de son métier. Voilà. Et puis, ils vont venir sur Facebook nous dire que blessé de guerre, blessé de je ne sais pas quoi. Bon, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, mais vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, parce que je... Attends, est-ce que la personne a WhatsApp? Attends, elle va essayer avec WhatsApp, parce que je ne peux pas prendre normal. Le numéro de téléphone n'a pas WhatsApp. Donc, la personne peut m'appeler normal encore, s'il vous plaît. J'ai manqué un appel, là. C'est même récent, hein, l'appel. Non, je ne peux pas prendre l'appel comme ça. La personne n'a pas WhatsApp, en fait. Je peux pas. Le numéro n'a pas WhatsApp. Si vous pouvez rappeler, s'il vous plaît. J'ai manqué un appel, mais ça n'a pas WhatsApp. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous dire, voilà. Donc, pas. Alors, donc, je vous aime beaucoup. Je n'ai pas de questions, hein. J'ai des questions dans mon direct pour moi. Écoute, hein, j'explique tellement bien. Le volume est bon, non? C'est ça. Je vois une qui me parle encore du volume, non? Ma good Linda Mou, je te salue. Vron, vron, comment tu vas?
Ouais, okay. Donc je vous aime beaucoup, oh. Je vous aime, oh. Je vous aime, oh. Je vous aime, oh. Passez un excellent mercredi, hein, vraiment dans la paix du Seigneur. Il y a beaucoup de drames, beaucoup de breaking news, beaucoup de choses qui arrivent dans la vie, ça fait peur. On dit c'est la fin des temps qui approche quand c'est comme ça. Bon, peut-être c'est aussi ça, hein. C'est fou. Tu te lèves le matin, tu entends une histoire, tu as la chair de poule, tu te relèves, tu dis, wow, quelle histoire ça, tu es seulement dépassé. Ouais, que Donc, je regardais un peu les commentaires. J'ai pas mal de commentaires que j'ai reçus en inbox aussi. Moi, les gens, vous ne pouvez pas écrire sur la page. C'est comment est-ce, vous? Si on dit, vous pouvez m'envoyer des commentaires inbox. Vous m'avez des commentaires sur Facebook. Hein. Attends un peu. Donc, c'est un peu ça, là. Je vous aime beaucoup, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit temps avec vous. Je me suis dit, ben, en semaine, j'ai rarement le temps de passer en direct. Rarement, rarement, rarement. Rarement le temps de passer en direct. Donc, j'ai dit, je viens quand même vous voir un petit Bisous, bisous, c'était la maman. Passez un excellent mercredi soir. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Je vous aime bien. Excellent mercredi soir. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. I love you. Have a nice day. Everybody, have a nice day. Have a good night. Have a good night. What? Have a good night. Have a good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.